Les fidèles tipeurs, dites leur nom avec honneur. Ouf. Oh. Qu'est-ce que tu fous? Wow. Wow. Attention. T'en as, ils se butent sur des challenges SL1, NG+7, no upgrade. Ça, c'est le truc, jamais tu... What? Je lui ai tombé... Attends, je lui ai sauté sur la... Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a quoi? Elle a également un double des clés, crochet... Elle dort carrément avec un gigot de chèvre. Très bien. On en est là, dans cette baraque. Ça, c'est pour être peinard... et maintenant... Oula. Oh putain, on n'est pas calé. Ouais, on était pas calé. Oh les dieux. Waouh! Quel train d'enfer! Tout prend. D'accord. Lydia! Qu'est-ce que tu fous, Lydia? Lydia! Mais Lydia, qu'est-ce que tu fous, putain? Autre chose? Ouais, tu vois, il faut des lingots d'or et tout. Et je peux pas directement forger le truc. Oh, Lydia! J'ai un collier pour toi, Lydia! Je suis un enculé! Je suis vraiment qu'un enculé. Jamais dû venir. Ah ouais, au top. What? Oh là là. Oh, Lydia one shot l'orc. Wow. Bah, et moi, quelqu'un veut se battre contre moi? Quelqu'un veut se battre contre moi, s'il vous plaît? Les gars, j'ai une masse à couilles! Mais battez-vous contre moi, s'il vous plaît! Allez, quoi! Mais s'il vous plaît, mais battez-vous contre moi! Ah, bah voilà! Voilà! Ah! Oh, merci. On aurait pu faire ça dans l'ascenseur, mais bon. Oui, non, mais je préfère éviter les risques, vous savez, les ascenseurs... Oh alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah bah... Vous disiez... Je vous disais, je voulais éviter les risques dans l'ascenseur. Oups, pardon Doc. Désolé. Je pensais que vous me suiviez. Alors, voyons voir. Observons le talent du professeur. Qui normalement devrait y arriver bien mieux. Bon, j'ai rien dit. Oh, joli. Deuxième, alors. Très beau, très propre. Ah, par contre, je crains que notre cher... comment dire... Vous savez le patient que nous avons trouvé dans une cage? Oui, le Grérat de son nom, je crois. Je pense qu'il voulait qu'on aille retrouver sa grand-mère à l'EHPAD. Mais quel est le rapport entre sa grand-mère et ce que vous venez de décrocher du mur? Eh ben justement, c'est sa grand-mère. Ou ce qui en reste. Oh.
Je viens de réaliser quelque chose, professeur. Allez, quoi? Allez, que vous venez de me tuer, mais What the fuck? Alors, je ne sais pas si on a vu la même chose. Écoutez, moi je me suis contenté de courir et de faire une roulade. On va faire n'importe quoi. Comment ça? Non mais... Doc? Oui? Doc? Ça va, Doc? Qu'est-ce se passe-t-il? Oh, c'était... une expérience. Ouf. Oh. Oh, à deux. Waouh. Magnifique. Waouh, les dégâts. Fuyez, fuyez, oubliez-moi. Je ne vais pas vous laisser là-dedans. Oubliez-moi, vous dis-je. Suivez-moi. Je porte par là. Ah, j'ai plus de gnôle. Professeur, revenez là, par ici. L'hémorragie. Des soins d'urgence, d'urgence. Ah, ne bougez pas. Courons. Très bien. Je me le suis pris, mais dans le masque. Je me suis pris l'injecteur. Écoutez, au pire, vous êtes désinfecté. Ah, mon œil. Emploie des termes forts, hein, Doc. Oui, je vois cela. Attendez, je suis occupé avec un... occupant des lieux, voilà. Est-ce que tout va bien? Je ne comprends pas. Un squelette avec un bras m'a fait une parade. Écoutez, c'est qu'il est plus doué que vous. Sans vouloir vous vexer, hein, j'entends. Hein. Oh. Ce karma! Oh, ce karma est délicieux! On dirait qu'il est aussi plus doué que vous, Doc! Toi, je doute de la présence de trésor, hein, pour l'instant. Ah, vous inquiétez pas, regardez, on arrive à la capitale profanée! Ah! Visiblement. Est-ce qu'il... Visiblement, les forces de l'ordre sont alcoolisées au travail. J'ai à peine eu le temps de le voir. Allez-y, je vous regarde, Doc. Hein. Franchement, vous êtes le meilleur. Moi, je vous encourage. Vous êtes mon idole, Doc. Toujours. Écoutez, ce n'est pas évident de... comprenez bien. Avec ce masque, c'est un peu... Oh, il a réussi. Au bout d'un moment, ça finit par passer. Oh, les voix dans ma tête font une standing ovation. Encore un variant. Oh non, mais ignorez-le. D'accord, je l'ignore. Fuite de gaz. Non mais j'aimerais bien l'ignorer aussi bien que lui l'ignorerait, mais... Y en a un autre qui vous suit, hein, qui vous court, il vous court dessus. Fuite de gaz, occupez-vous-en. Le reste n'a aucune importance. Mais il me bloque la voie. Alors, professeur... Et je suis bloqué. A l'aide. A l'aide. Oh. Professeur, j'étais bloqué. On me tapait dessus avec des troncs d'arbres. Je n'ai jamais vu ça. Les météores. Le paix foireux. Ah oui. Eh oui. Incroyable. On l'a fait. Je crois que nous avons de la compagnie. Ouvrez, ouvrez, bon Dieu! J'explique ça! Oh, attendez, je vais essayer cette fois-ci. Je vais réussir. Putain! Non,
je ne refuse de prendre le passage pour bébé. Je vais réussir ce saut. J'ai mon sale genou là qui. Ce serait pas une histoire de. De comment on appelait ça, vous savez, le saut de bébé. Oui, bien sûr, mais je. Attendez. Oh, et puis zut, hein, voilà, bon, bah écoutez, je ne suis pas très doué pour les sauts, bon, bah voilà. Est-ce que vous connaissez Tipeee? Tipeee, c'est une plateforme qui vous permet de me soutenir dans mes activités. Et oui, faire des vidéos, ça prend du temps, et sans votre soutien, je n'aurais jamais lancé autant de concepts de vidéos aujourd'hui. Tipeee vous permet de m'aider à financer du matériel pour continuer à faire ce que j'aime, que ce soit en cas de renouvellement ou en cas de panne. Et d'ailleurs, faire ce que j'aime, c'est vous faire plaisir en me faisant plaisir. Vous aurez également accès à des posts mensuels qui vous donneront des infos sur les coulisses des vidéos, des lives et des spoilers sur les vidéos à venir. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à suivre le lien qui se situe dans la description de la vidéo et cela me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et d'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui ont donné ou tous ceux qui donnent encore actuellement sur Tipeee. C'est grâce à vous que j'ai pu réparer mon PC dernièrement, qui avait quelques soucis hein, depuis quelques mois, voilà, des blue screens notamment. Et du coup, bah, grâce à vous, j'ai pu réparer le PC et on peut continuer à faire des vidéos et surtout des lives. Voilà. Donc voilà, écoutez, merci d'avance à vous et bah, bonne vidéo. Oh, les internes, je vous jure. Vous êtes tombé, Doc. Oh là, bah, il a le même. Oh bah, un de vos collègues. Je crains que non, mais il me semble fortement. Oh. Est-ce que tout va bien, professeur? Les météores. Les météores. J'en peux plus. Aïe. Je fais ce que je peux, professeur. Mais putain, vous mettez 10 ans. Vous mettez 10 ans. Oh non. Bon bah bonne chance, Doc. Oh, c'est la bonne chance. Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Professeur? Au revoir, docteur. Oh merde. Ah 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 ah. Le piège s'est refermé sur moi. Ah, dommage. On peut essayer. Nous allons forcer les choses cette fois-ci. Ah, attention. Ah, ah, attention. Si vous allez bien. Oh mon dieu, nous sommes malmenés. Ah. Oh là là, c'est compliqué le input. Le double est compliqué. Hein. Ah ouais, à chaque fois je suis trop tôt. Je suis trop en arrière. Ah pourtant j'ai essayé d'être encore plus en retard. Oh, on va y arriver, vous inquiétez pas, Doc. Hein. Qu'est-ce que... Professeur. Oh j'ai... Ah. Ah. Vous avez mal choisi votre moment. Bah, j'ai rien fait. Pourquoi il m'agresse celui-ci? La magie. Mais c'est stylé. C'est trop stylé. En tout cas, pour la blague, ceci est un morceau. Ceci est une tranche. Donc désormais, vous le saurez. Quand vous avez des tranches de fromage à prendre, vous prenez la meule entière. Voilà, ça c'est de la bonne tranche ça. Allez, viens. Ah putain, Bethesda. Ce Bethesda, ça bug à mort, c'est n'importe quoi. Ce Bethesda. Pourquoi les PNJ sont si cons, ce Bethesda ?
On y va, on s'en va, c'est notre existence. Se donner une chance de tout effacer. On y va, on s'en va. Oh non mais c'est... Oh la code lié au con. Est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure vue? Ah, ah, what the fuck. Wow. Wow. Oh merde, je l'ai fait tomber. Pardon madame. Attends. Wouhou. Non mais... Elle est où? Elle est où? Oh merde! Oh bah merde les gars, elle a disparu! Attends, je vais où là en fait? Parce que je monte, je le suis lui mais... Ah putain, c'est pas un des draps? Y'a pas un des draps là-haut? Ah je crois hein. Lui il t'attire vers un des draps. Celle-là je m'y attendais pas tiens. Oh merde! Putain, mais on devrait pas rigoler en plus là! Putain, pauvre chevreuil! En fait, j'aimerais bien, c'est de faire des dégâts en fait. Merde. Quoi? Il s'est passé quoi? Comment j'ai fait pour le tuer? Oh mais les gars, qu'est-ce qui se passe encore là? J'ai fait quoi? Comment il est mort? Allez, c'est parti, on s'est déchargé dans Lydia, maintenant on va pouvoir... Hein Lydia, maintenant qu'on s'est déchargé... Merci Lydia de m'avoir permis de me décharger en toi. Wait, what? Non mais son deck, elle est où? Bah, Lydia? Aucune idée où est-ce qu'elle est. Oh, que c'est chiant. Pourquoi tant d'empressement? Qu'est-ce que tu fous? Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Tra de créer un perso pour un but de PVP précis parce que sinon vous allez avoir un but de PVP tous les 3 mois quoi. C'est ce que j'aimerais éviter en fait. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais t'es complètement folle? Mais je suis fou Lydia? Mais Lydia? Vous n'avez aucune chance. Mais c'est une porte Lydia! Mais qu'est-ce que tu fous? Mais... What? What? Bah GG Lydia, tu viens de battre une porte. Le plus dur c'est de trouver des noms à tes personnages. Et là c'est chiant. Qu'est-ce que c'est que cette merde Lydia? Tu te crois drôle c'est ça hein? Tu te crois drôle? Pourquoi elle a mis ça? Pourquoi elle a mis cette merde? De tous les casques que tu as, t'as mis ça toi? Non mais Lydia. Lydia passion BDSM les gars. Oh yeah. You touch my tralala, my ding ding dong. Oh bah les gars, on va peut-être écourter le stream ce soir et puis je vais faire en sorte qu'elle mérite d'avoir cette cagoule quoi. Oh non mais c'est... Bon, y a pas un fouet qu'on pourrait lui donner aussi une petite tenue de dominatrix T'as vu Lydia, je peux balancer ma semence là-dedans. C'est beau hein. On dirait un cake. On dirait ce que j'ai fait aux toilettes tout à l'heure avant le stream. Ouais, là. Lydia, tu peux te mettre là, s'il te plaît. Vas-y, mets-toi là. Bouge pas. Voilà, mets-toi là. Bouge pas. Oh, t'as l'air bien con hein. Oh putain. Oh mais vas-y. Mais on m'a poussé. Oh mais on m'a poussé, c'est pas possible, j'ai pas bougé. Mais je t'ai rien demandé, qu'est-ce que tu veux? Mais bordel, mais arrêtez de me chercher des crosses, qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain mais vous avez tâté de mes mots là. Tiens, toi aussi. Garde.
Mais quatre grosses boules sur ta joue, ça fait quoi? Voilà. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a au menu? Est-ce que moi, écoute, je vois qu'il y a de quoi manger, donc... tombe bien, j'aime bien les belles brioches. Ah ouais, toi t'es pas un vampire, connasse? Hein? Est-ce que tu suces? Hein, madame? Je sais ce que tu fais le soir, hein? Garde-moi ses yeux. Garde-moi cette grosse bouche, là. Voilà, c'est ça, ouais. La mère de la nuit m'a parlé. Attends, on va lui faire la même, tu sais. C'est vrai! La mère de la nuit m'a parlé! Oh oui, elle m'a parlé! Elle m'a dit que c'était moi qu'elle attendait! Quoi? Tu vois, c'est compliqué, hein? Ainsi, si c'est. Faire ça toute la journée, enculé! Oh!